gain en obscurité, fille de la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, fils intestin. Qu'on lève ce qui est là et ce revers, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil, et qu'on m'enferme maintenant, pour aller à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses, qui avaient appris, et qui font envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. On m'a donné la vie. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Et pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, pour oublier toujours. On m'a trop donné, bien oublié, j'ai oublié les rêves et les merci. Ouais, toutes ces choses qui avaient appris, et qui font envie de vivre, et de désir, et le plaisir aussi. Comme une énergie. Thank you.
Mais j'espère qu'on va passer une bonne soirée tous ensemble.
savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouis mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous à l'île. Je donnerai tout pour oublier. Oh. Thank you.
Thank you.
Take off!
Eh bien, je voudrais vous dire que je suis sacrément content d'être avec vous ici ce soir. Vous êtes un super public comme tous les soirs. C'est vraiment une joie pour nous de pouvoir faire ce spectacle devant des gens comme vous. Merci pour ça. Je vais te faire sûr, je vais te voir.
Mademoiselle Hennicky. Thank you.
Ah là là, vous voilà. Ça va, vous êtes en forme? Vous savez ce qui est formidable dans ce spectacle? J'aimerais d'ailleurs que vous applaudissiez très fort mon sonorisateur. Ce qui est formidable dans ce spectacle, c'est que, en grande partie aussi grâce à lui, moi je vous entends très bien ici sur scène. Et ça, vous savez, moi, de vous entendre, pour moi, c'est une chose formidable, parce que ça me donne la pêche. Et je me dis que je dois certainement être le chanteur qui doit avoir la plus grande chorale du monde. Avec quoi tu le fais? Parce que vous chantez drôlement bien. Alors, on s'est dit avec le groupe que la prochaine tournée, nous, on est allés dans la salle et vous sur scène. Et on vous applaudirait très fort. Waouh! On voudrait vous faire une partie unplugged, ce qui nous permet de vous chanter des chansons qu'on ne vous a pas chanté depuis longtemps. Des chansons qui, j'espère, vont vous rappeler des bons souvenirs, souvenirs. Waouh! En voici une qui commence comme ça. Yeah.
quelques-uns qui devraient apprendre à chanter comme vous. J'aimerais vous présenter le groupe. Depuis 13 ans maintenant, ça doit faire pas loin de la 13e tournée avec moi. Sur les disques également. Il est anglais. Il vit à Los Angeles, Californie. Vous le connaissez tous très bien. Avec le temps, c'est devenu mon ami. À la guitare, c'est Mr. Robin Le Mesurier. Troisième tournée avec moi, il est québécois. Il est devenu très blond ce jour-ci. À la guitare, Régent Lachance. Il est français, c'est sa première tournée avec nous. C'est un sacré bon bassiste. J'espère qu'il restera longtemps avec nous dans le groupe. J'espère. À la basse, Laurent Verneret. Encore un Québécois, c'est lui qui fait les tierces vocales avec moi sur scène. Également la guitare, monsieur Alain Couture. C'est sa deuxième tournée. Première tournée dans le groupe. Il vient de Los Angeles, Californie, monsieur Jean-Philippe Shelby à l'harmonica et au saxophone. Maintenant, ce sont les Sexy Ladies. Mademoiselle Joanna Manchek. Et vous l'avez entendu chanter avec moi tout à l'heure, mademoiselle Amy Keys. Première tournée avec nous, les Français aux percussions, monsieur Nicolas Montazo. Un Écossais avec nous. Non, vous savez, on est très international. C'est vrai qu'on fait du bon scotch en Écosse. Hein. Too much. After the show.
mais on fait aussi des sacrés bons batteurs en Écosse. Monsieur Jeff Dunbar. Incontournable, inséparable, ami depuis 15 ans maintenant. Comment vous dites? Comment s'appelle-t-il? Yvan Kassar. On s'amuse un peu ce soir parce que c'est pas très gai ce soir, parce que ce soir vous savez que c'est notre dernier soir ici au Zénith. Et on a toujours un petit peu de tristesse comme ça à quitter un endroit qu'on commençait à s'habituer tous les soirs de venir devant vous. Mais on va continuer cette tournée, on va aller ailleurs et puis on va revenir à Paris bientôt. Et pour ceux qui sont de province, on va aller vous voir également en province. Donc on n'est pas prêt de se quitter de toute façon. Cette chanson, j'aimerais la dédier à celui qui me l'a écrite, Michel Berger. Thank you.
pourquoi voulez-vous toujours finir avant moi? Ça, c'est une question que je me pose tous les soirs. Donnez-moi une chance. On le refait ensemble? Deux garçons qui aiment la même fille. Ça arrive souvent, hein? Ça commence comme ça. Parce que je ne suis pas totalement heureux ce soir. Je dois bien vous le dire. C'est que je vous entends super formidablement bien, mais je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas parce que vous êtes dans le noir. Et moi, j'aimerais tellement vous voir. Vous entendre sans vous voir, c'est pas terrible. Si je vous vois en plus, ça pour moi, c'est un vrai cadeau. Est-ce que la technique peut m'allumer cette salle? Que je puisse voir tout le monde? C'est possible, oui!
Eh bien, rien que pour vous voir comme ça, ça valait le coup, non? Vous êtes formidable ce soir, vraiment formidable. Ceux qui viendront, je vous la ferai la cigale. En attendant, je vais vous demander si vous aimez le blues. Le blues qui dit que les mots ne sont jamais pour exprimer ce qu'est le blues. Et le blues, ça veut dire que je t'aime. Oui, le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à crever. Le blues. Musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du bleu. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le bleu. Moi j'y mets mes joies, tu sais, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le bleu. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, la gloire lui donnait le jour. Pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Ouais, la musique vivra. Thank you.
ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares. Thank you.
Thank you.
tristesse qui suffira d'une étincelle. Car mot d'amour, mais pour... Thank you.
Des gens de province ce soir ici, non? De Paris aussi? Alors en province et à Paris, bienvenue aux Zénith ce soir. Je suppose que, aussi bien en province qu'à Paris, il doit y avoir dans cette salle ce soir des mamans, non? Il y en a beaucoup, levez la main pour voir. Est-ce qu'il y a des papas aussi ce soir? J'ai pas bien vu. Il y a des papas? Ouais. Vous n'avez pas amené les enfants? Oui, quelques-uns? Bien moi je dois avoir ma petite Jade quelque part dans la salle. Là. Je sais pas où t'en es. En tout cas, cette chanson, j'aimerais la chanter spécialement pour toutes les mamans qui sont dans cette salle, les papas, pour vos enfants, les grands, pour nos enfants. Et c'est une chanson que je chante toujours pour ma fille, Jade. Dans les yeux d'un enfant, plus rien ne compte.
Triste sa vie. Et j'avais mis de côté tous ces instants qu'on croit acquis. Les instincts qu'on découvre, avec toi je grandis, moi aussi. Et voilà qu'à nouveau, je fais des projets dans ma vie. Pour te laisser du bon, rien que de l'amour, mais aussi. Puis je me prends à rêver qu'un jour tu voudras partager ce qui de près ou de loin dans ma vie raconter. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais vu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêvent tous les papas. Il y a tellement de choses que j'aimerais te raconter. Pour te donner la force, le courage de tout affronter. Et si je peux te transmettre ce formidable coup d'épée, de tous les hommes, je serai le plus heureux, le plus comblé. Et tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais vu. Tu es l'amour, la vie et le soleil, ce à quoi je ne croyais plus. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'attendais pas. Ce merveilleux cadeau tombé du ciel, celui dont rêve tous les papas. Je serai pour toi le père de les orchidées plus grandées. Tout ce que tu espères, je promets de te le donner. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais. Je suis le plus heureux, tu vois. Papa, 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 papa. Thank you.
maintenant d'une fille. Une fille que vous connaissez bien? Oui, qui je veux dire? Oui, qui je veux dire? Dites pas son nom! Dites pas son nom!
quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, d'un seul coup, n'est plus pur. Quand tes mains voient très bien, et quand tes doigts n'osent pas, oh, quand ta pudeur dit non, dis tout ce petit. Yeah.
Remarquez, vous savez, moi je pourrais rester avec vous toute la nuit. Juste un petit mot que j'aimerais vous dire avant de continuer. C'est depuis toutes ces années que nous faisons des tournées, que nous faisons des scènes, de scène en scène, de ville en ville. À chaque fois que nous avons l'envie d'aller sur scène, c'est parce que ce sont des gens comme vous tous les soirs qui nous donnaient l'envie d'aller en ville. Si on est là ce soir, sur cette scène, et là c'est parce que ce sont des gens comme vous qui nous permettent de faire le métier qu'on fait. Merci pour ça. Comprends. Si tu pars,
que ce soit les plus anciennes chansons ou plus récentes, ont été totalement retravaillées et réarrangées. Ah, celui que vous connaissez tous maintenant. L'indispensable. Et c'est Yvan Cassar, au piano. La chanson que j'aimerais vous chanter est une chanson que j'ai entendue pour la première fois. Mais non, pas derrière la mur. La prochaine fois. J'ai entendu pour la première fois par Jacques Brel. C'est une chanson qui m'a donné tellement d'émotion que j'ai voulu vous la chanter ce soir. Je vais vous la faire placer en ma façon. La chanson s'appelle La Quête. Merci beaucoup, bonsoir, je vous aime. À très très bientôt.